pieds dans le plat. Le grand défi. Le grand défi. Le grand défi européen avec aujourd'hui encore la Cam Sport Coach à gagner. Vous vous en parlez comme personne, Valérie Benaïm. Écoutez, je crois que c'est une paire de lunettes caméra pour filmer en HD. Une paire de lunettes. Voilà. Reste devant toutes les une paire de lunettes pour te filmer. C'est exactement ça. En 3D. Alors, pour la gagner, vous allez devoir relever un défi, vous, autour de la table. Ah. Ou Laurent Guimier, ou Jean-Luc Lemoyne, ou Valérie Benaïm, ou Pierre Belmar. Je sais pas si... Si Muriel Robin veut se joindre à vous... On l'a dit tout à l'heure, c'est bon. Muriel Robin est en observatrice. Je n'étais pas prévu, puis c'est tout. Vous allez faire le défi du stylo. C'est-à-dire que vous allez devoir parler Elle est un peu vexée, là. Hein, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je sens un truc, une idée forte encore. Parce que déjà, le défi du stylo, ça envoie du rêve. Nous sommes en pleine rentrée des classes, forcément grousse. Eh oui, fourniture scolaire, donc stylo. Et esprit demain, d'escalier. Le défi de la gomme, attention. Alors, le défi du stylo, c'est très simple. Vous allez devoir appeler des personnes qui vendent des piscines, d'accord ? Ou une piscine. Voilà, au téléphone, une piscine municipale. Vous allez devoir mettre un stylo dans votre bouche à l'horizontale et essayer de parler pendant une minute sans qu'on vous raccroche. Oui, parce que de toute façon, la verticale, c'est difficile, le stylo. Hein. Mais si. Parce que c'est... Pardon. Il a compris ce que, vous avez compris ce que je voulais dire. Vous n'allez pas juste le mettre comme ça, vous allez vraiment l'enfoncer comme ça, à l'horizontale, dans votre bouche. Vous voulez essayer, Laurent Guimier, juste pour voir ce que ça donne ? Allez-y. Juste pour voir ce que ça donne. Donc ça. Voilà, allez-y, parle un petit peu. C'est pas facile. Il y a un auditeur en ligne. Il y a un auditeur en ligne avec nous qui va jouer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Daniel qui a été sélectionné. Oui, madame. C'est Daniel. Non, non, j'ai pas de stylo dans la bouche, hein. Daniel, merci d'être avec nous, Daniel, sur Bonjour Europe 1 ce matin. Je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, merci, nous aussi. On est très, très contents de vous recevoir. Vous habitez à où ça exactement ? À Mésangers, dans la Mayenne. Mésangers, dans la Mayenne. Je me suis renseigné, je crois qu'en 2010, il y avait 702 habitants là-bas. Oui, il y en a un peu plus maintenant. Oui, bah oui, je savais. Comment va, Robert ? C'est pas loin de Sainte-Suzanne, le troisième village français. Bah, je sais. Bah, écoutez, Daniel, vous savez, je connais bien la France. C'est la D'accord. France qui me connaît pas. Daniel, oui. Vous voulez jouer avec qui, Daniel, pour gagner ? Jean-Luc Lemoyne, la tête d'ampoule. Ah 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 Eh ben, Daniel, tu vas le perdre, ton défi. À mon avis, Daniel, vous êtes exceptionnel, Daniel. Ah, mais je suis exceptionnel. Hein. Ah, mais je vous le confirme. C'est le fou rire du jour pour moi. Daniel, merci pour ce bon moment déjà. Ça lui donne envie de faire gagner la dame. Ah oui, là. Oui, tu m'étonnes. Donc, vous allez jouer avec Jean-Luc Lemoyne qui va mettre un stylo à l'horizontale. Je tiens vraiment à le préciser. Donc, à mon avis, oui, dans sa bouche. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut parler une minute en appelant une piscine municipale. D'accord ? Une piscine municipale. On y va. Vous voulez sinon le marqueur ? Il y a le marqueur. Sinon. Bonjour, allez. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un renseignement. En fait, je vais faire prendre les cours d'initiation à mon fils. Et je voudrais savoir si les inscriptions sont encore ouvertes. Oui, mais vous savez son niveau ? Ah oui, bah, il ne sont pas nager. Hein. Va falloir le faire venir se tester. Oui, mais le problème, c'est qu'il est très craintif de l'eau et a peur d'aller. Est-ce qu'il est bien encadré ? Ah bah oui, il a un maître nageur pour l'apprendre à nager. Ah, chaque enfant a un maître nageur chacun ? Non, il sera dans un groupe de plusieurs enfants, mais avec un maître nageur. Un maître... Quelle taille ? Quelle taille ? Le maître nageur. Parce que... Il a peur, il perd sa vue. Trop grand. Bravo! Quelle taille de Parce que là, il a cherché quand même. Hein. Il a cherché la cogne. Allô, est-ce qu'elle est là, la dame de la piscine, encore ? Allô ? Ah bah non, il faudrait la rappeler, elle était super gentille. Elle était super gentille. Daniel, vous avez gagné, Daniel, grâce à Jean-Luc Lemoyne. Je suis vraiment contente d'avoir participé et de vous avoir entendu.
Patrice, Cyril, vous êtes un grand fan pour moi. Eh ben merci Daniel, je vous embrasse. Vous faites mon bonheur tous les soirs. C'est le contraire. Non, non, je suis fan de Daniel. Bien sûr. Mais on est tous fans de vous aussi ici. Ah, c'est bien, c'est tout gentil. J'aimerais vous voir dans votre piscine, je vous adore. Ça n'a rien à voir. Enfin, j'aimerais vous voir. Non, mais il y a château à visiter vers chez moi. Eh ben on viendra, Daniel. Daniel, je vous fais un très très gros bisou. Et merci d'avoir été avec nous.